Bonsoir Instagram, je vous attends pour l'ouverture de la case numéro 4 pour ce petit live. Il est 18h passé, allez, de 4 minutes, ça va, je suis un tout petit peu en retard, mais je suis là et je vous attends pour ouvrir ensemble cette case et découvrir son contenu. Bonjour tout le monde, je vois que vous arrivez. Bonjour Véro, coucou, comment allez-vous aujourd'hui? Couture in progress, bonjour. Bonjour Milouz. Salut Cassandre, hello Véro, comment allez-vous? On est samedi, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais moi j'ai fait la grave erreur de me dire si j'allais au centre commercial, et voilà, donc vous voyez le résultat, je suis en retard de pas beaucoup, mais ça aurait pu être pire, et autant vous dire que c'était pas l'idée du siècle, effectivement, parce que du coup, il y avait du monde partout, et j'ai pas réussi à ressortir du centre commercial tranquillement, j'étais vraiment juste. Voilà, bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon samedi, si vous êtes en week-end, que vous avez bien profité. Moi, j'ai pas cousu aujourd'hui, je vous avoue, j'étais un peu en mode... un peu relax, ça c'était chouette. Bon, quand même, j'ai un peu pris en photo toutes les nouveautés tissus, donc je n'ai pas rien fait, ça c'est clair, mais je suis en train de les ajouter du coup tranquillement, et je pense que là c'est la fin de la journée, donc je suis contente de vous retrouver. Et les gens énervés, elle dit Camille Doco, exactement, et les gens énervés, c'était pas trop énervé au centre commercial, mais moi un peu, de mettre une demi-heure à sortir du parking, voilà. Bon, c'était pas la même erreur pour vous, Laurence. C'était, je pense que tout le monde a eu la même idée, c'était pas l'idée du siècle. Enfin bref, c'est pas grave, je suis là. Donc, je vous attends, le temps que vous arriviez, je vous propose qu'on... Je vous annonce le tirage au sort de la case numéro 3. Donc, je vous rappelle ce qu'il y avait dedans. Hop, c'était la case d'hier, du 3 décembre, donc ce n'est plus la peine de jouer sur le live d'hier. Donc c'était, hop, ce très joli tissu imprimé, enfin tissu enduit, hein, bien sûr, de chez Domotex. Et avec le combiné trousse Sandra ou un bon d'achat du même montant, si la personne qui a gagné a déjà ce patron. Alors, j'ai fait un petit tirage au sort. Salut Steph, avec mon logiciel aléatoire, et la gagnante est Mipia 2018. Donc j'ai été voir, j'ai été vérifier que tout va bien, et donc c'est Marie-Pierre. Bravo Marie-Pierre, je pense que ça te fera plaisir. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit mail pour recevoir tes cadeaux. Voilà, qui va remporter le lot? Nel les 3, ah ah, le lot d'aujourd'hui, on ne sait pas. C'est celui-ci. Roulement de tambour, toutou. Donc nous sommes le 4 décembre hein, pour le lot numéro 4. Oui, Lise, bravo à la gagnante. Félicitations à Marie-Pierre, je pense que ça lui fera plaisir. J'ai reconnu sa photo de profil, j'ai vu, parce que moi je regarde toujours qui a gagné. Des fois, quand je ne suis pas abonnée, je m'abonne à vos pages, tout ça. Et Marie-Pierre, je l'ai reconnue, mais j'ai reconnu sa photo, elle est active sur Facebook beaucoup. Voilà. Donc, aujourd'hui 4 décembre... Le lot numéro 4. Alors, il reste plus beaucoup de... Je suis désolée, hein. Il reste plus trop d'enveloppes, hein. Il en restera 3, ça veut dire qu'on aura la quatrième. On a fait la moitié, un peu plus. Sniff. Nos petits rendez-vous. Il en reste plus que 3. Bon, il en reste encore 3. J'avoue, j'aurais bien continué tout le mois de décembre. Donc, je me demande si l'année prochaine, je ne vais pas réfléchir à quelque chose. Bon, il y a un peu de temps encore, hein. Mais bon, voilà. La découverte prête. La précieuse 83. Très envie de découvrir ce numéro 4. Elle nous dit Babouchka Création. Eh bien, moi aussi, j'ai très envie de découvrir ce qu'il y a dedans. Attention. Roulement de tambour. Bonne chance à tout le monde, comme elle dit Maman Natch. Oui, bonne chance à tout le monde. Donc, quatrième enveloppe. Je vous rappelle les conditions. Il suffit de commenter ce live en direct ou ensuite en replay si vous regardez ce replay. Enfin, là, on est en direct, là, tout de suite. Hein, mais tout à l'heure, ce sera du coup un replay. Et puis pensez à vous abonner à ma page Happy Dodinette et celle de mon partenaire le tissu by Domotex. Oui Agnès, tu es juste à temps, on n'a pas encore ouvert, t'as vu l'enveloppe, elle est là, elle est fermée encore, donc tu n'as rien loupé. On y va? Tout doudou, tout tout tout. Allez, faudrait faire un petit générique d'ouverture, faudrait que je trouve ça ou un petit truc qui... Allez, j'arrête mes bêtises, je vous fais languir des dés à coudre, je suis pas très sympa ce soir, j'exagère. Allez, on y va. Suspense. Vous voulez voir quoi? Le patron ou le tissu en premier? Dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir?
Hâte, vite, vite, vite. Corinne, elle dit, allez, allez. C'est comme ma calendrier de l'avance, ce serait top. Lila, oui, je vais y penser. Pour l'année prochaine, je vais réfléchir. D'ailleurs, en plus, je maintiens le suspense, je suis pas sympa. En plus, à partir du 7, quand on arrête le calendrier de l'avance, je vous démarre un challenge couture de Noël. Donc, restez connectés, les yeux sur les réseaux, va se passer des choses. Alors, qui a répondu en premier? C'est Desbois qui a répondu en premier. Elle dit, il ou elle, je ne sais pas qui c'est, le tissu. Ah, vous n'avez pas été assez rapide, l'inscription qui dit le patron. On y va pour le tissu enduit du jour. Ouf, j'ouvre ça. Et, ah oui, je l'aime bien celui-là. Je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien. Alors, c'est celui-ci avec les petites grues. Ça ressemble à des petites grues. Et je trouvais. Alors, j'ai choisi des choses japonisantes. Je ne sais pas ce que j'avais. J'avais envie une ambiance un peu zen. Donc, c'est celui-ci. Et ce que j'aimais beaucoup dans ce tissu-là. Attendez, je remets vos commentaires. Voilà. C'est qu'il était unisexe, finalement. J'ai essayé de choisir des choses qui aillent pour tout le monde. Bon, il y aura des choses un peu plus typées que d'autres, mais voilà. Celui-ci, je le trouvais joli. Et puis, il n'a pas vraiment d'âge, hein. Je pense qu'il va pour tout le monde. Donc, ce sont des petites grues qui s'envolent tranquillement. Et je l'ai trouvé très, très sympa. Donc, c'est toujours un enduit, hein. Je ne sais pas si vous entendez quand je frotte. C'est toujours un tissu enduit. Et c'est toujours un petit échantillon que je vous montre. Mais Domotex vous enverra un mètre par le lèse au gagnant. Voilà. Ou à la gagnante, on verra qui va remporter ce lot. J'espère que ce sera vous, je vous le souhaite vraiment, vraiment. Alors, quel modèle j'ai choisi pour ce... En fait, c'est en fonction du tissu que je choisis, je vous répète. Donc, ce tissu, je me suis dit que j'aimerais bien coudre... Allez, un étui à lunettes Tiago. Voilà. J'aimerais bien coudre ce patron-là et je trouve que vous l'aimez beaucoup. C'est vrai que vous avez tendance à beaucoup le coudre en été, mais je pense qu'en hiver, un petit cadeau de Noël, ça peut être vraiment, vraiment sympa avec son petit fermoir tourniquet. Et ce patron, on peut aussi mettre un fermoir magnétique dans le patron. Vous avez les deux explications. Voilà. Donc, j'imagine bien un petit étui à lunettes Tiago dans ce très joli tissu de Domotex France. Et ça, c'est le lot de la case numéro 4. Vous avez l'air d'aimer, donc ça me fait plaisir. Je vois, j'adore, très joli. Il y a des doigts qui se croisent, genre je le veux, je le veux. J'espère que ce sera vous, vraiment. Ça me fait très plaisir de tirer au sort tous les jours un gagnant ou une gagnante. Pour l'instant, on n'a eu que des gagnantes. Peut-être qu'on aura des hommes et tout ça. Ce serait bien aussi, hein. Alors, oui, pour les lunettes au bureau, pour faire des halles usées. Alors, j'ai pas tout compris. Mon étui commence à souffrir. Ben oui, il faut en faire un autre. Ça y est, c'est un signe que c'est parti, c'est maintenant. Donc voilà, je vous remontre la case numéro 4. Je vous souhaite. Oh, si c'est à l'envers, ça ne va pas du tout. Je vous souhaite de le remporter, de remporter cette jolie case. Je vais tout remettre dans l'enveloppe. Ah, je suis contente, Sandrine, que tu aimes cet imprimé. Et hop, je remets tout ça dedans discrètement et je le garde au chaud pour demain. Et demain, je vous dirai qui a gagné, qui a été tiré au sort parmi vos commentaires pour ce joli lot. Et je vous répète, pour celles qui ne sont pas, qui n'étaient pas arrivées, le lot d'hier, donc c'était celui-ci, la case 3, la trousse Sandra et cet imprimé, c'est Mipia 2018 qui le remporte. Je vais là faire une petite story où je vais la taguer. Voilà. Eh bien, j'espère que vous aurez de la chance, que vous pourrez découvrir votre nom demain en live en tant que gagnante ou gagnant de cette jolie case. Oui, vite, il faut jouer la précieuse 83, tout à fait. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon samedi soir. Je ne sais pas ce que vous avez prévu ce week-end, mais moi, je pense que ça va être décoration de Noël. Voilà, demain, c'est le programme en famille. C'est très, très bien pour un dimanche. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain, 18h, pour la case numéro 5 et savoir si vous avez eu de la chance pour la case numéro 4. Passez une très bonne soirée et à demain pour notre petit rendez-vous du soir. À demain, les cousettes. À bientôt!